Cette semaine, on termine l'année 2017 en force avec une autre chronique équipement. Je suis avec notre spécialiste Éric Dupont. Éric, avant de nous parler du casque React 200 et de sa grille React, j'ai une question pour toi. Tu te souviens du dernier joueur à avoir joué sans casque dans la Ligue nationale? Je crois que quand j'étais jeune, c'était Craig McTavish. Exactement. La 96-97, l'année avant que moi, j'effectue mon entrée avec les Flames de Calgary. Moi, je repense à ça. C'est absolument incroyable et impensable aujourd'hui qu'un joueur puisse jouer sans casque. Tu as tout à fait raison, Denis. C'est impossible. D'ailleurs, on va commencer par le nouveau modèle de Bauer, le casque React 200, qui est l'une des nouveautés de Bauer cette année. Il est doté d'une nouvelle doublure Suspentech NG qui permet au casque d'épouser la forme de votre tête pour ainsi fournir une protection maximale. On parle ainsi d'un plus grand confort grâce à la plaque d'ajustement thermoformable Bauer. Avis aux joueurs portant la grille, on vous conseille la grille React en titane avec ce casque. Il faut souligner également que ce casque-là est offert dans deux autres gammes, le React 100 et le React 75. Maintenant, parle-nous du CCM TAC 710. Le casque CCM TAC 710 a été conçu pour offrir un confort et une protection exceptionnelle. Il a une nouvelle doublure avec D3O Lite et le système RED conçu pour gérer les nombreux types d'impact. On y retrouve un réglage facile à l'arrière du casque pour un ajustement personnalisé et solide. Maintenant, ce casque 710 est aussi disponible dans la version TAC 310. Le troisième casque que tu as pour nous, c'est un casque Warrior. C'est un casque très populaire, surtout chez les joueurs du Canadien. Brendan Gallagher et notre capitaine Max Pacioretty portent ce casque. Un casque doté d'un confort traditionnel et d'une protection haute performance, avec une nouvelle coquille redessinée plus légère qui s'ajuste facilement et sans outils. Alors, c'est important de mentionner, pour ceux qui vont magasiner un casque, le Trio Hockey offre une multitude de couleurs et de grandeurs en inventaire. Maintenant, les choses qu'il faut considérer lorsqu'on achète le casque parfait pour nous. Il y a une pièce d'équipement qu'il faut faire attention, prendre le temps de magasiner, essayer plusieurs modèles, c'est vraiment un casque. C'est vraiment, ça protège la tête, donc il faut vraiment être prudent. Choisir le bon casque, la bonne grandeur, le casque qui nous fait le mieux pour notre tête. Nos spécialistes en magasin vont être là pour vous conseiller à faire le bon choix. Moi, si j'ai une suggestion à faire, c'est pas trop considérer le prix pour choisir un casque. C'est toujours y aller avec la sécurité en premier. Merci beaucoup, Rick. Toujours très intéressant. Et la semaine prochaine, on se retrouve pour une autre chronique sur différents accessoires qu'on va retrouver chez le Trio Hockey.